makabole entre bango so ba pesi mutu ba bina koloba na mutu debima Dieu merci nega nzamba sala parmi les amis société défendre ka ba droit d'auteur na biso mais ndeni ba milieu zo kokote ba zo sa recouvre ma yambongo RG Pro TV, la vitrine culturelle et informelle. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, nos programmes, informations. Kundola Masolo. Film. 100% gag. Théâtre, politique et autres. RG Pro TV, votre chaîne YouTube. Pour plus d'infos, abonnez-vous massivement et activez les cloches de notification pour recevoir les nouvelles. RG Pro TV, la vitrine culturelle et informelle. Depuis son avènement à la tête de l'inspection générale de finances, Jules Alinguet Tekei fait bouger les lignes partout où il y a le fraude, les détournements, la mégestion dans la gestion des deniers publics. Après les politiques et autres, c'est au tour des artistes, toutes tendances confondues, regroupées au sein de la plateforme Révolution culturelle, révoque en sigle de saisir l'inspection générale des finances pour dénoncer le manque de traçabilité de la redevance de droits d'auteur, droits voisins et autres fonds mal gérés par la Socoda, mieux connaître où vont les recettes du fonds de la promotion culturelle que payent les entreprises. Nous étions venus ici pour dénoncer. Parce que nous en avons vraiment marre. Nous en avons marre, nous ne voyons pas ce que nous ne devons plus faire maintenant. On a tout fait, on a écrit des lettres, on a essayé de rappeler les gens à l'ordre. On ne rappelle pas. Nous avons des points qui nous font mal, comme par exemple le fonds de promotion culturelle. En fait, c'est un fonds qui a été créé pour la promotion de la culture. Et les gens là reçoivent de l'argent de partout. Pour la culture congolaise. Aujourd'hui, la culture ne décolle pas. Justement parce que ces fonds-là ne servent à rien. On salue le Romongo, Balaxi Mokonyambo, Bango Bazaba représentant à Bissot. Alors financièrement, Bango ne Bazo retrouvé. Makamounou Zou, Talikolé, Zoko Yapana Bango, Bazo Kabolaonde Balingi, Bazo Lyonne Balingi, Bissot s'est retrouvé. Il y a un Bissot dans la révolution culturelle de l'Obagi, non. Mokonyambo a prévoyé que le Romongo IGF, a commission au pénal actif, et comme ça là. To yana IGF to funda bango ko funda bango za nini ba utoka bolambongo semeno mbongo ebele ba kabola entre bango so ba pesi mutu ba bina ko loba na mutu debima Dieu merci nega nzamba sala parmi bango ba tamalamu ba fundi pa na biso yom so lo beto na plaza ko funda bango te bango ba mo receptionner mbongo chaque jour sokoda wana bana mbongo ebele so to bito ko funda bango to kokate le roi Mokonyambo a sa chélèbre sur IGF. Et on a IGF. La Socoda, t'es maman. Tu es qu'on fonde la Socoda parce que Socoda, les amis, société défendre la droit de terre. Mais on a mis un milieu de cocotte. Parce que ça recouvre, mais il y a un bon. Mais pas que le bon, parce que ça a un bon côté. Tu es un petit gars, Socoda n'a pas été distingué première dame, maman Denise. Socoda n'a pas été distingué première dame honoraire, maman Olive. Socoda n'a pas été distingué président de la République. Non. Mais tu es là, tu es une institution. Mais nous sommes dans le secteur de la culture et art. Balobio, Socoda est allié indépendant. Le ministère de la culture et art a pouvoir monter dans Socoda. C'est-à-dire que la loi est la statue de Bango, c'est la mesure de taille par rapport à la droit de Bango. Bongo Bisso Bato tout ça à Moussala. C'est comme ça que les moyens sont derrière la Socoda. Ce n'est pas que derrière la Socoda, le roi le fond. Depuis que la Matilde a fait encore la banque. Alors qu'on est stylé. Nous sommes grandis 61 et belés. Dans la suite des artistes, les femmes veuves qui normalement devraient percevoir l'argent pour le compte de leur époux. Elles crient au secours pour la survie des orphelins à l'IGF qui constitue le seul rempart pour être rétablis dans leurs droits. Il fallait zalaka boye po makamunyo so fwe zalaka polele. Au monita on tozo nyoko ma boye tozo mona clarté, il fallait to sale loko. IGF a landé la biso bambongo wana et kendaka wapi batiaka ngo wapi. Parce que tout le monde a eu un moment où il y a des maladies qui ont été COVID.
Il fallait pas payer sa biso, moi l'os, moi miliki, moi sukali, na moi et loco. Mais pas payer sa biso, sacha sucre, moko, na 25 kilos à l'os. Miliki wana, mbongo ba nga pa payer sa biso. Pour ton vivre, on a un moment on a un confinement, et kende ki wad. Alors, nous sommes tous au monde, clair et zate, ils ont fait de la biso. Fait via Portos, via Mongongo, avec accompagnateur, compositeur. Mais, si les lots, nous avons nous attaqué, Alors, 100 francs, porte-parole de l'IGF a salué la démarche et a promis aux revendicateurs qu'une suite favorable sera connue pour peu. Il suffit de suivre la procédure voulue quant à ceux. Bambongo labino, enquête éco-salema. Amen. Je vous promets ça. Nabi chef Nabis Ndengazali, enquête éco-salema. Mais bon, il y a ce que vous dénoncez bien, bien. Il faut dire que ce mouvement est une première dans l'histoire que les artistes manifestent un ras-le-bol devant les locaux de l'IGF pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. La solution idoine qui sera trouvée permettra aux artistes de se prendre en charge, vivre de leurs œuvres et cela éviterait de quémander à tout bout de champ.